Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment migrer un atelier de Scenery Chain 4.0 vers un atelier Scenery Chain 4.1. Donc, il s'agit de recréer, par exemple ici, l'atelier Web Media qui est donc basé sur le modèle Web Media. Pour cela, je vais aller dans mon gestionnaire de fichiers. Je vais chercher le dossier Scenery Chain 4.0. Dans ce dossier, j'ai un dossier Web Media qui va contenir toutes les sources et toutes les publications de mon atelier Web Media. Je le copie, c'est RLC. Je vais ensuite le coller dans mon dossier qui correspond à Scenery Chain 4.1. Donc j'ouvre mon dossier Scenery Chain 4.1 et je vais le coller. Alors, pour aller plus vite, j'ai déjà collé ce dossier dans Web Media, dans le dossier Scenery Chain. Alors, la copie peut se faire plus ou moins vite en fonction du nombre de ressources dans ce dossier. Je retourne dans mon Scenery Chain 4.1. Je vais créer un nouvel atelier que je vais nommer exactement de la même manière qu'il a été copié. Donc là, c'est un web média en minuscule. Et je vais avoir une proposition de reprendre cette définition d'atelier, ce qui veut dire qu'en fait il a trouvé un dossier Web Media. Je clique dessus et mon dossier Web Media est écrit. Alors lorsque je vais l'ouvrir, il va m'afficher un atelier en échec, mais ne vous affolez pas, il suffit d'aller dans l'onglet édition des propriétés et vous voyez là que il est en Web Media 2, mais un modèle d'atelier inconnu. Par contre, dans ma liste, j'ai déjà installé le Web Media 2.2. Je choisis aussi les publications disponibles. Je fais enregistrer. Il me propose de mettre à jour l'atelier. Je fais continuer. Il me fait la migration. Je fais fermer. Et lorsque je vais ouvrir mon atelier, je vais retrouver mes exemples et tous mes modules de formation. Voilà, merci.